au Mondial. On va se régaler. Ouais. C'est prévu petite bouffe avec belle côte, des outils pour faire des structures en bois. On va se régaler, vous allez voir. Allez, à toutes. Bon, ben finalement, c'est pas le Mondial, hein, Alex. Hein. On se barre ailleurs. Hein. Ah oui, c'est vrai. À l'aventure. On va essayer autre chose. Et on a un temps magnifique. L'intuition d'Alex, c'est qu'on va se trouver un spot de fou. Alors on va voir. Ouais, j'espère, souvent on est parti comme ça et j'ai jamais été déçu. Ouais. Impeccable! Une vidéo qu'on me demande très souvent, que je filme très rarement, une sortie. Et qui c'est qu'on a comme invité? Nature et ainsi. Voilà, le plus beau, le plus beau. Allez, on part aujourd'hui à l'aventure, on ne sait pas où on va. Hein. On a pris un chemin comme ça, vite fait. Et on va se faire une méga bouffe, côte de bœuf de dingue, du pinard pinot noir. Des structures en bois. Du hamac pour faire la sieste. Au top, on est parti, à tout à l'heure. T'en vas pas, m'oublie pas. Regardez comme c'est beau, une belle plaine comme ça. Et on peut être très heureux du temps de fou qu'on a. Magnifique. Allez, on prend les bâtons et on continue. C'est dans la forêt. C'est parti, c'est parti. Nanou avec nous, en force. Girl power. Non, on va voir. Hein. Impeccable. Une petite rando, un petit bivouac avec Alex de Nature et Acier, Nanou. Et on est parti. A tout de suite. On était parti pour faire un truc tranquille. Et nous voilà. Dans la pampa. Là, il n'y a pas de chemin. On continue. Après, on crie à l'aide. Au secours. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a derrière. On coupe chacun sa partie. Et on va se faire une table. On va manger, hein, bien sûr. Être bien. Alors, c'est quoi ta scie? Une scie, c'est le Kigon Boy. C'est une scie avec une lame japonaise. Enfin, la scie est une scie japonaise qui est très efficace. Elle fonctionne en tirant. C'est-à-dire que les dents sont de fait, elle ne coupera pas en poussant, mais elle coupera en tirant. En poussant, elle ne fait rien, mais en tirant, voilà. Pas besoin de forcer. De toute façon, c'est reconnu. Hein. Ouais. Si Alex, je continue à débiter. Il nous en manque encore deux sections. Et Alex est en train de commencer à percer la table. Voilà, ça va être chouette. Donc moi j'ai pas une scie silky, mais j'ai une scie AliExpress, et ben, elle coupe très bien aussi. Faire un trépied et la plancha va être suspendue. Les câbles. Elle ne va pas être au sol. En attendant que on se dise le coup. Reste ici, Ginette. On n'est pas fini, quoi. Et voilà. Tu as toutes les sections, cher ami. Okay. Eh ben, si AliExpress, quand même, elle marche. Mais bon, on va avouer quand même que... Hein, la Silky est un peu mieux. Ouais, la Silky, c'est quand même bien mieux. Bien mieux, il faut le dire. Hein. C'est pas un prix pour rien. Allez, on poursuit.
Et puis Manu de Helico Rando, hein, tu te rappelles que tu m'avais conseillé ce petit tapis. Excellent. Merci ma poule. Bon allez, bosse, excave. Allez, on a presque fini la table. Hop. Juste par ici. Regardez ça, un petit peu. La classe à Dallas. On va se faire l'apéro. Impeccable. De la part d'Alex. Hein. Belle pochette en cuir avec un beau fil orange. Magnifique. Regardez comme c'est soigné ces pochettes. Regardez comme c'est beau. Attends, je refixe. Hop. Voilà. Belle pour couture. Mon fire style. Voilà, pour le mien aussi, en forêt. Et la rétention. Impeccable. Et lui, il a le sien ici. Regardez comme c'est beau. En bois de serre, avec le petit logo. Qui va changer, il va y avoir un nouveau logo. Chez Alex. On a hâte qu'il arrive. Yes. Voilà, impeccable. Beau petit cadeau, merci. Après, Alex. On peut l'enfoncer. Voilà. On le resserre. Comme il faut. Comme il faut. Et là... C'est pour ça, d'où l'intérêt des blocs cordes. Hein. Voilà, le bloc corde que je vous mets, ben, ça vous permet d'attacher dessus. Et ça bouge pas. Voilà. Impeccable. Merci Alex. Et nous on continue, on a fait la table. Et on va se faire un peu de place. On va faire un trépied par-dessus. Voilà. Je vous montre les coulisses. Alex qui filme. Dans le hamac. C'est pas beau la vie. C'est beau la vie. Oui. En train de finir d'installer la plancha. Donc pas de feu aujourd'hui. Réchaud à alcool. Et le super trépied qu'a monté Alex. Voilà, voilà. Une petite table d'apéro. Et moi, je me suis monté mon hamac. Pour la sieste après. Décathlon. À fond les formes. On n'est pas là pour rigoler. On en met trois. Santé! Regardez-moi un peu cette installation. Cette table magnifique. Très là-bas. Ouais, il y a le trépied, c'est en train de cuire. Faut que je me fasse les légumes, moi. Installation, franchement, on est des rois. Des rois, on est. Du pinard qui va bien, du sauciflard. Du bon pain, des outils qui vont bien. Alex qui s'éclate en cuisine aussi. Alex qui est très content du Fire Steel. Du Fire Steel qui va très bien. Voilà. Les pochettes qui sont magnifiques. Dutch Khalifa. Dutch Khalifa. De Nanou, Dame Nanou qui attend avec impatience la côte de bœuf. Hein, madame ? La bonne côte de bœuf. Mais t'en auras un bout, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je suis déjà installé pour la sieste. Je ne sais pas si Alex il va s'installer pour la siestas. Si, si, mais je m'occupe de la bouffe là. Voilà, on a faim. Voilà, et après je vais vous montrer les bonnes côtes de bœuf. Deux côtes de bœuf de chez Joël Logier. Hein, regardez-moi ces merveilles. Hein, la boucherie à Gillette, Joël Logier. Hein, place du docteur Morani. Regardez-moi ces bestias. Regardez-moi ça. C'est pas beau.
Oh là 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 là. Voilà, regardez-moi ça, on va se faire un kiff de l'espace intersidéral. Youhou! Perfecto. Les deux rentrent nickel. Oh, ça cuit là quand même. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on est belle. Oh, qu'est-ce qu'on va se mettre dans le ventre, Alex. Alex. Là, j'ai hâte. Ah ouais, ouais. Alors, on va se démonter. J'en connais une autre là-bas qui attend ça avec impatience. Hein. Allez, nous. Côté de bœuf ou pas côté de bœuf? Bon, oh, oui, t'as toujours côté de bœuf, toi. Voilà, petit camp sympatoche. Et là, on va se mettre bien. Oh là là, voilà, je vous dis pas. Oh là là, c'est là, affreux. Là, là. Regardez-moi cette viande. Regardez-moi ça. Mmh. Entre Nanou et non pas Alex, mais la côte de bœuf. Mince. T'as cru que c'était pour toi qu'elle t'aimait. Je me suis fait niquer. En flague, Nanou. C'est pas la plus belle journée de ta vie, ça? Et comme on n'avait pas de plat à légumes, on a décidé d'utiliser une gamelle, un décathlon pour chien, qui n'a pas servi, hein, je vous rassure. Et en fait, on en a fait un plat pour les légumes. Bushcraft ou pas bushcraft? Au bout d'un moment, on n'est pas là pour faire les fillettes. On fait faire bushcraft, ça n'arrive pas avec le char. Hein. Oh, quand même. Un petit peu. Quand même. Et puis voilà, regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est magnifique, ça. J'ai voulu juste essuyer mon couteau joker sur mon pantalon. Et je pense que le pantalon et la cuisse ont été essuyés par la lame. Donc, joker 6.5 nomade. Voilà, de la bombasse pour tout. Boîte à feu. Un petit flag. Regardez-moi ce flag. J'adore. Le chien avec les pattes croisées, et l'autre qui donne à bouffer. Allez, les poivrons, moi les poivrons. Oh putain, j'y crois pas. Ça, c'est un moment d'anthologie dans le bushcraft. Regardez-moi ce chien, comme il est traité comme une personne en fait. Il est. Oh là là, elle est heureuse. C'est bon, hein. Oui, tu me remettras un petit coup de pinot noir, s'il te plaît, avec. Il a fait n'importe quoi aujourd'hui. Yaha, yalla. Alors, ah, comment ça marche le fire steel? La fire steel de ses morts. Parti? Oui, c'est parti. C'est parti! Mon kiki. Mais là, on va préparer le café. Efficace et pas cher. C'est la baffe que je préfère. Allez, on y va. Cafetière. Hop. Lit café. Le café, oh peut-être on l'a pris. Tonton, SDF, vit seul dans la forêt et adore le fire steel. Oh oui. Il se fait un café en mode clodo, mais il adore ça. Je suis un clochard. Le deluxe. Il est même radin sur le feu. Non, faut pas dire ça quoi. Vraiment le mode bushcraft. Installation à l'arrache, tour de pise pour le café. C'est le mode clochard activé, mais non, j'adore. J'adore. C'est ça le bushcraft. T'énerve pas, il arrive ton café. T'énerve pas. Et là, dragon, tu vas te faire mal. Là, on peut voir un bushcrafter feignant depuis son hamac qui essaye de casser du bois, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai la flemme. Mais le café en mode tour de pise, c'est trop sympa, moi j'adore. Avec une boîte à feu, bien sûr. Et les pâtes, et ça c'est les pâtes. Vas-y, tu peux... Attends. Oui, vas-y. Non mais dites-nous, monsieur, dites-nous, on regarde. Oh,
mec, il est fatigué, le mec. Oh. Oh, putain. Voilà, bon, je vous présente Alex, de nature et acier. Après une côte de bœuf. Voilà. Et deux verres de vin. Et deux verres de vin. Bon, madame nature et acier, vous ne serez pas fière, là. Oui. Oui. Complet. Bon. Oui. J'appelle Sainte-Marie chez nous, et puis on vous reprend après. Oh. Hein. À vous les studios. Je suis resté bloqué. Oh putain, je vais regarder mon café, c'est bien. Alors attends, moi j'aime bien ouvrir pour que ça boue pas, tu vois. Et puis là, ça va équilibrer la cafetière. Très important, équilibrer la cafetière, parce que comme vous pouvez voir, c'est relativement penché. Voilà, c'est du mode bushcraft, quoi. Hein, c'est le bordel sur le camp. Voilà. Nanou a bouffé, elle fait la yop s'il n'y a plus de côte de bœuf. Voilà, elle s'est barrée dans la forêt. Au revoir. Voilà. Des fois, j'ai peur. Hein. Enfin, alors, je le ramène quand même. Et mon café ? Café, Charlie. Ah, bon. C'était une grande aventure pour le faire, ce café. Il était plein. Oh, que délice. Donc ça, vous pouvez retrouver dans mes vidéos, boîte à feu. Indispensable. Merci, monsieur. La terre cherche petite femelle en chaleur. Ouais, ouais, bon, on peut, hein, avec bushcraft en gros. Bêtisier 2004. Mode feignasse activé. Nous sommes surveillés par une bête obscure qui sévit dans les bois. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que cet homme est fou. Nous en bushcraft en forêt avec un fou. Le type, il est là-bas. Regardez. Au fond, là-bas. Vous voyez au fond, là-bas, là où il y a mon doigt, il y a une bête curieuse. Une bête curieuse là-bas. Qui essaie de dormir, mais je ne laisserai pas dormir. On a tout rangé. C'est impeccable. Ah, poil. Ah, poil. Alors, part, vous voyez, hein, les déchets sont là. Je suis une poubelle ambulante. On ne laisse rien traîner. Une belle poubelle, hein. Voilà, une belle poubelle. Et derrière, là où on était, un petit tour de panorama magnifique avec une jolie ruine là-bas derrière. Oh, on voit ma tronche. Voilà, regardez comme c'est beau. Une ruine. Une ruine. Mais la ruine, c'est moi. Ah non, non, non. Waouh. Alors, voilà le filtre intégré. Merde. Wow. Il est bien, hein?